Bandi ya Pifo Television mbote, ici kabiso boka matami, tu wali bongo en direct ya ville ya Mbandaka, na province ya Équateur. Kwa pende pa yi mokonzi ya mboka, mwana mboka feseke chulo mboye penza bongo akosolo la na banto mabanso ya bituka ya Ecole Congo Démocratique. Kwa na penda, na mobili mboye penza, ekonomi penza, esa le maawa na kati ya ville ya Mbandaka, taka penati na Pifo Officier Television penza, to uta ki mwanda, to usus penda mokonzi ya mboka awa na ville ya Mbandaka. En exclusivité, boni ma cambo masse, pendant mon collègue à peine d'arriver, tu te fais un peu de permettre ma moto, coti, au quatrième. C'est bon, pendant mon congé en boca, je suis venu à consulter ma tourma basse, je suis venu à la bitouka, et je suis la l'olenge penza, et à bango ça, mon salam, pendant mon penza, pour pendant qu'on lance, je suis venu à projet à 145 territoires, et que ça, le développement, et où tu as la bitouka, car c'est bon, avant de commander mon congé Kinshasa. Taka pelati na mokonzi ya mboka penza akozala na ville eye penza bongo tuwali na suka penza ya mobu eye penza ba fete ya nawali yeko belema na sima penza ya poso moko ya bwani na sima penza ya poso mbaleka se mokonzi ya mboka lobite esenge penza na koma na ville ya Mbandaka na yoka penza bantoma ya bituka banso penza ba yebi sangayi boni misa ya tambaki buto penza sanze ya mobu mweto kamata mina yango bongo na suka toko suka sa boni pato kolenge la mobu ya sika toko kota 2023 ya mbote makonomi sama na Ecole Congo Démocratique pendant que tika pendant bon d'abord son on était à Botindo et longo na de comme Mike tu sois ka et bongo to zonga si mama to d'abord tout ton disamin na sai il y a beaucoup de bandaka pour na poser la boyer à tâtons pour dire pour le moment en boca fait certains c'était tout le monde au hasard pour y avoir participé la conférence avec le gouverneur pour na pour y avoir tel c'est vraiment la grande ligne pour l'ensemble nous sommes à Bango à bas différentes mumba va couvrir sur Bango dans le cadre où on a biso pe lingomba ya funa et en dehors de cela étant que coordinateur communicateur bas sur les deux sacrés na zaki censé appuyer par rapport ça la déployer le monde va communicateur aussi pour que tout se retrouve dans la ville en bandaka pour la rebondissa. Oui, à tâtons pour dire que le monde va gouverner bas sur les différentes provinces pour prendre part à la conférence. Et tout ça, qui a été, nous sommes en train de faire parce que si ça, nous sommes en train de beaucoup plus, nous avons beaucoup plus de droits, de démocratie, justice, de progrès social. Za Madame Bibi Shindoa, présidente urbaine, il y a parti Nabiso Arep, parti Andeko président Guy Luando, nga mutunazali présidente ya urbaine Mbandaka. Premièrement, tu es dans le président moral, autorité morale Nabiso parti, président national. Son Excellence ministre Guy Luando, de tout ce qui le lopo n'a pas préparatif, il est arrivé à président Fatih Beton. Par rapport à arrivé à chef de l'État, message n'a pas lancé Zali, Tozela qui moment yo kala et que le lopo qui s'amit, Tozana Nessengo, il y a comme on a président depuis a commis président à République démocratique du Congo, Mbala Libosoya na Équateur. Toebike, koko manaye na Équateur, ezali délivrance, ezali libération, ya province Équateur. Na makambo ebele, si le plan politique, si le plan économique, donc qui ezali la délivrance na kata province Équateur. Ali na ba acteur, et oyo baza na développement, mais makambo msusu, ezali to sepeli kaka ya potozo solution makambo ebele. Maître Clovis Elongama, je suis député provincial élu du territoire de Bassangoussou et le vice-président de l'Assemblée provinciale Équateur. On s'est lié, ma présence se justifie par le fait qu'il y a une délégation d'avance, une équipe d'avance qui débarque en prélude de l'arrivée du chef de l'État. Et moi, comme autorité provinciale, comme également militant d'un parti politique, parce que j'appartiens à la formation politique qui est à sa tête, honorable professeur Sambo Colombe, ça s'appelle ADUR. Alors je suis venu pour recevoir mon autorité morale et aussi voir quels sont les délégués qui sont venus pour mobiliser avec moi la population de l'Équateur afin que l'arrivée à le chef de l'État soit triomphalement accueilli. Voilà. Comment justifiez-vous l'idée que
la conférence de gouverneurs va se tenir justement dans votre province après plusieurs tergiversations qui a eu lieu justement autour de l'organisation de cette conférence, mais finalement ça aura lieu dans votre province. Bon, dans la vie, quand il y a des tergiversations, c'est tout à fait normal, mais je suis très heureux, qu'il y ait des signaux très très forts qui démontrent que le chef de l'État va devoir arriver dans notre province pour la première fois depuis qu'il est président de la République, et nous aussi, on allait qualifier même d'injustice si, durant tout son mandat, qu'il ne débarque pas, qu'il vienne seulement pour solliciter nos suffrages. Hein, vous comprenez? Donc ça se justifie, c'est dans l'ordre des choses, qu'il vienne quand même ici communier avec ses électeurs potentiels que nous sommes. Parce que nous lui avons donné mandat et nous sommes derrière lui pour bâtir le Congo, pour construire la République. Alors, nous, au-delà de ce que vous avez appris à l'Équateur, mais actuellement, la paix règne, la collaboration règne entre les institutions provinciales et la primaire lui est réservée parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions et qu'il a accepté qu'il y ait la paix durable à l'Équateur. Et aujourd'hui, comme il foule ses pieds dans notre province, nous ne pouvons que nous féliciter et le remercier très sincèrement et le soutenir également. Voilà. Bon, protéger, il a fait quoi? Hein? Parce que la collaboration interinstitutionnelle, c'est le principe. Vous devez savoir ça. C'est le principe. Il a fait quoi? Si nous, comme contrôleurs, nous l'avons contrôlé et que nous avons remarqué qu'il n'y est pour rien. Même si vous pouvez aller voir Dieu le Père, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change en rien dès lors que moi, comme contrôleur, je n'ai rien remarqué de mauvais contre lui. Je n'ai rien remarqué comme gestion opaque dans son chef. Je vais les protéger. Pourquoi? Hein? S'il a, il en est pour quelque chose, je vais les protéger. Pourquoi? Non, je ne peux pas les protéger pour les protéger. Et si nous avons dit que la déchéance prononcée autrefois par l'Assemblée contre lui dans un bar, c'était une aventure organisée. Dans une province des êtres normaux, on ne peut pas aller dans un bar pour déchoir un gouverneur. Non, même pour abattre un chien, il y a une procédure. C'est parce que le gouverneur avait donné l'ordre que les sièges des institutions soient bloqués. Non, non, ça c'est vous qui racontez ça. Moi là, je suis parlementaire, je suis là depuis le début de ce mandat, depuis le début de cette législature. Mais il a été là faire quoi? Le problème c'est quoi? C'est que lui là, il ne s'est jamais justifié. La liberté de se justifier est garantie par la Constitution. Ça s'appelle le droit de la défense. C'est l'article 19, c'est l'article 61 de la Constitution, je crois. Alors, si vous invitez quelqu'un, vous le laissez là-bas, vous laissez celui que vous invitez, celui que vous accusez. Vous le laissez à l'hémicycle, mais vous allez vous réunir dans un bar pour annoncer sa déchéance ou organiser sa déchéance. Je suis membre de l'Assemblée, je n'ai jamais été associé. Vous vous rendez compte? Quand on a déchi Mabunda, on l'a vu là, et c'est justifié. Même ceux qui étaient qualifiés pro Mabunda ont voté pour ou contre la motion, non? Voilà, donc vous qui êtes de Kinshasa, soyez au moins édifiés, soyez éclairés. Qu'à l'Équateur, tout va bien, tout marche bien, il n'y a rien à s'inquiéter. Il y a collaboration étroite entre institutions, il y a la paix qui règne dans la province de l'Équateur, raison pour laquelle on voit aujourd'hui la lumière poussée, on voit aujourd'hui les routes être construites, si pas bâtir. Voilà. Les réalisations sont légion, sinon nombreuses. Au fait, on commence d'abord par la baisse du billet d'avion. Chez nous, à l'Équateur, voyager, c'était tout un problème. C'était le luxe. Mais aujourd'hui, le billet de Congo Airways est passé de 200 et quelques dollars à 94 dollars sous Fatih. Hier, faire étudier les enfants, parce que chez nous, la vraie notabilité, c'est la polygamie mongonaise. On fabrique des enfants comme les Balouba, permettez-moi. Mais faire étudier tous ces enfants, ce n'était pas facile.
Mais aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, donc ça nous aide, ça nous donne au moins l'opportunité d'envoyer tous nos enfants à l'école. Voyez-vous ? Alors, la régularisation des situations des agents et fonctionnaires de l'État. La régularité de la paie, même si dans certains secteurs, les problèmes se posent. Et la paix surtout qu'il a instaurée dans la province de l'Équateur. C'est un atout majeur. Pourquoi ne voulez-vous pas que je puisse le soutenir ? Voilà. Bon, chez nous là, bon, nous sommes en démocratie. Hein. La démocratie, c'est la capacité de dire et d'être contredit. Il y avait trop de contradictions chez nous ici. Mais ces contradictions insinuaient même la mauvaise foi. Pour dire que non, à l'Équateur, rien ne marche. L'Équateur était considéré comme le désert. Mais quand vous êtes arrivé ici, vous n'avez pas vu que non, Équateur Pemboka. Vous avez vu quand même que non, nous sommes là. Vous comprenez ? Pardon ? Voilà, mais non, là, hein, vous avez remarqué vous-même que non, c'est comme hein, à Lingwala, c'est comme hein, à Kitambo, c'est comme à Lagombe. Voilà, Équateur Pemboka. Voilà, terminer mon interview par dire aux uns et aux autres d'arrêter de raconter des histoires. Il faut palper la réalité qui est à l'Équateur. Vous parlez de l'Équateur, maîtrisez-vous ce qui se passe à l'Équateur. Quand vous parlez de l'Équateur, est-ce que vous connaissez l'Équateur? Est-ce que vous connaissez Longama qui est devant votre micro aujourd'hui? Vous comprenez? Donc il ne faut pas raconter les histoires, il ne faut pas raconter pour raconter. Donc il faut chercher à vérifier les choses avant d'avouer. Madame Odette Njoku. Madame Odette, de l'autre côté, mon côté, un peu car il faut que vous soyez avec Thomas. Pense à lui. Tout quand tu vas au gouverneur, pour la conférence du gouverneur. Il y a le coup de la pizza, mon corps, il y a un bas d'accord. Mais ça, c'est bien. Il y a un peu de temps. Bisso, Tosepeli, Makasi, Naboye, Yabokondi Amboka, Papa Yabana, Fashi Beton, Naingumana Bisso, Ya Équateur. Bandaka aux amis pour représenter le local la miroir ya grand Équateur. Toza pour se péter ma case parce que papa a besoin qui promesse mais le local Zali moto abosembo alinga quitte que boulot et si la sang est accompli le local ya lobaki. Le local Zali moto abosembo alobaki que non et c'est quand il kaka a comme avant fin de l'année à cette mission surprise. Toza lina esengo monene. Mais Nazali Koyebisa yoke, Mbandaka Mobimba, Ezali de Igno Sacré. Puis, Tozali Kaka, na candidat, Oyo, Akobimba Lokola, candidat, na 2023, Oyo, Akozana président, c'est Kaka Moko. Bade de Fashi Beton. Banani Moussous, Pakoji Kozala, ba député provinciaux, ba député nationaux, mais. Na kati ya biso na Igno Sacré Mobimba oye simbi grand Équateur Mobimba oye simbi pe province Équateur Mobimba représenté par le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu toyebi ke tali na seul candidat Kaka Fashi Beton en tout cas toyambi na esengo na gumba Équateur. Madame Denise Dussochoa, je suis une colibri du grand Kassai, voilà. Comme vous le savez, je m'occupe aussi d'une partie de la communication du chef de l'État à travers mon magazine Empreinte sur le plan national et international. Ainsi, à chaque déplacement du chef de l'État, je me retrouve toujours à l'endroit, à l'avance ou au même moment. Voilà, nous sommes venus. Après tant d'années, le chef de l'État va fouler ses pieds ici dans le Grand Équateur. Voilà, nous sommes venus d'abord en tant que presse pour couvrir cette grande activité et aussi en tant que communicatrice, communiquer de ces grands événements qui vont se passer ici du 21 au 23 décembre 2022. Disons que le pouvoir va quitter pour 3 jours Kinshasa et le pouvoir sera centré ici dans les grands Équateur. Et comme vous le savez, je suis une colibri. Je reviens du Grand Kassai comme Jean-Baptiste. J'étais partie informer à mes frères et sœurs que déjà au mois de janvier, Maître Guilan Domboyo, le fils aîné de Fachi Beton Mukwantombolo, va venir installer ce parti dans nos provinces, dans notre espace du Grand Kassai. Disons, agissons pour la République, ce jeune parti politique qui fait son entrée dans le microcosme congolais. Voilà, c'est un peu ça qui justifie ma présence ici dans les Grands Équateurs, comme d'habitude.
Je demande à mes frères et sœurs du Grand Équateur d'être très très vigilants parce que le chef de l'État arrive déjà ce jeudi. Aujourd'hui, nous sommes venus accueillir notre président, autorité morale de la REP, Maître Guylain Tumbuyo, déjà qui arrive, il est déjà en plein vol. Dans quelques minutes, son avion va atterrir, va fouler le sol du Grand Équateur. Donc voilà. Accueillons nos frères et sœurs qui viennent pour la plupart, peut-être pour la première fois, montrons-leur qu'ici, on s'aime. Ici, il y a Mungala Zati, Mouswahili Azati, Mukongo Azati, Mouluba Azati. Nous sommes tous 00 à 243. Il s'agit de quelle activité concrètement ? Il y aura beaucoup d'activités. D'abord, il y a la conférence du gouverneur. Donc voilà, le Grand Équateur a été choisi parmi les 26 provinces pour cette année-ci. Donc c'est une aubaine. Chez moi, en Tchouban, on dit « Djakalengela ». Ça veut dire vous êtes chanceux. Voilà, vous êtes juste après, je pense, le Grand Katanga. Le Grand Équateur a été choisi. Donc il y aura, le chef de l'État parlera avec les différentes couches de la population. Et d'une pierre deux coups, il va peut-être aussi voir les réalisations faites ici par le gouverneur en place, qui est de notre parti politique. Vous savez que je suis UDPS de sang, même si je suis une colibrie. Donc les actions faites ici aussi par Maître Guylain Tumbuyo. Beaucoup d'actions sont faites ici dans le Grand Équateur et partout ailleurs. Merci beaucoup. Je crois que nous aurons le temps de pouvoir discuter de cela. Nous sommes là pour représenter toutes les provinces dans notre ensemble et travailler entre nous, les gouverneurs et les chefs de l'État, suivant la vision qu'il a inculquée à tout le pays. Et c'est voilà pourquoi nous sommes là. Donc nous sommes très heureux et nous allons poursuivre cela avec les chefs de l'État. Merci beaucoup. À votre arrivée, peu de jours seulement, la ville de Guadeloupe, province de Nouroubangui, à ces projets qu'on a, les formations pour la population, vous allez concrétiser ça comme la population est en train de dire. Tout à fait, tout à fait. Je suis là pour impulser, donner en fait une nouvelle couverture, montrer comme quoi la province du Nouroubangui a beaucoup de choses à offrir. En tout cas, je vous remercie une fois de plus. Merci.
Et mon ministère a voulu prendre activement part pour essayer d'échanger avec tous les gouverneurs de la République qui seront réunis ici sur un certain nombre d'antivaleurs qui minent également les provinces, mais qui sont entretenus par certains d'entre eux également. Alors c'est pour nous l'occasion d'en parler en face et de pouvoir demander l'engagement de tous pour la lutte contre ces antivaleurs et surtout leur engagement pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Mais en marge de cela, nous avons aussi des activités dans le cadre de notre ministère. La grande messe que nous avons avec les inspecteurs poules et les inspecteurs itinérants. Mais il y a également une situation qui prévaut, je crois, à Bikoro, sur la paix des enseignants. C'est également une occasion pour nous de pouvoir analyser la situation et trouver la solution avant notre retour. Encore une fois, depuis que bon séjour. Merci. Merci. Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informez sur notre devoir.